Dieu! Holcomb, where's the dib? Joie et bonne humeur. En même temps, je suis désolée, hein, c'est vous qui aviez décidé que Jacques devait retourner chez le mafieux, hein, vu que je vous avais fait la proposition dans le dernier épisode, je pense. Et en plus, j'avais déjà parlé du caractère du mafieux dans la construction de la maison de mafieux, hein. Donc ne soyez pas étonnés par tout ce qui est arrivé, hein. Oui, bon, le reste, c'est vrai, Marius, tout ça, comme d'hab, hein, on le refait plus, un vrai petit enfoiré, voilà. J'ai également dû changer le générique parce que malheureusement, il y a une entreprise qui est en train de racheter toutes les musiques qui étaient libres de droit et que j'utilisais évidemment pour mes vidéos, ce qui fait qu'ils sont en train de me réclamer tous les droits de mes vidéos, c'est extrêmement agaçant, donc je n'utilise plus maintenant que des musiques de YouTube, donc voilà pourquoi j'ai dû refaire le générique également. Ça commence à me saouler, mais bon, on fait avec, et on fait surtout sans les musiques que j'avais choisies par le passé, tant pis. Et à propos de cette petite histoire, on se retrouve du coup avec deux nouveaux prisonniers, et oui, deux jeunes adolescents, ça va ramener un petit peu d'air frais, voilà, dans notre challenge, pourquoi pas. Ils vont tellement déguster, c'est triste, hein. Ouais, franchement, c'est triste. Je suis tellement sadique. Mais j'ai quand même une petite demande à vous faire, voilà. Le père policier, ici, a pris cher, hein, déjà, dans cet épisode, mais en ce qui concerne la mère, on a encore 2-3 petites choses à éclaircir avec elle, hein. Dans quelle mesure, finalement, elle va réussir ou non à se venger, hein, n'est-ce pas? Du coup, je vous laisse deux choix. Soit elle retrouve jamais ses enfants, et donc là, on la voit un peu dépérir au fil des jours, des années, soit elle les retrouve. Et alors là, soit, bon ben, ça cause sa mort, soit d'autres souffrances, soit un happy end, on sait pas. Avec moi, ça risque pas d'être un happy end, mais je veux dire, on sait pas. Du coup, vous aurez deux possibilités, soit elle les retrouve, soit elle les retrouve pas. À vous de choisir, et moi, je ferai en fonction de votre choix. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, Twitter. Sur Instagram, vous avez eu quelques petites infos, hein, sur le challenge pendant que j'étais en train de le monter, et eh bien voilà. Si vous voulez plus d'informations, c'est vrai que Instagram, c'est important pour voir un petit peu au jour le jour ce qui se passe. Si vous voulez m'aider et me soutenir dans tout mon travail, il y a toujours Utip, le lien est dans la description. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà participé. Et évidemment, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous!